Bonjour. Alors, nous allons commencer cette table ronde dédiée à l'économie de l'attention. Pour capter l'attention, donc, il faut savoir raconter une histoire et se faire bien comprendre par ceux qui l'écoutent. Tous les parents le savent. Ce qui vaut pour les enfants vaut aussi pour les adultes. Car le médium, c'est le message, aurait dit Marshall McLuhan. C'est ainsi que le livre a fini par devenir le réceptacle privilégié des paroles gelées. On pense à Rabelais, bien sûr. Ces paroles gelées sont réchauffées par le regard du lecteur. Dans la nouvelle économie de l'attention, le livre a de nouveaux concurrents. Ce sont bien sûr les réseaux sociaux, mais aussi tout l'écosystème qui tourne autour. Et cet écosystème nous conditionne la lecture et aussi distrait le lecteur. Je pense à un livre qui s'intitule toujours « Internet nous rend-il idiots », qui a été écrit par un essayiste il y a une petite dizaine d'années. Bien que malmené, le livre conserve cependant l'onction de la légitimité intellectuelle. Mais à l'intérieur de sa propre fabrique, les rapports sont tourneboulés, voire inversés. Dans cette polarisation extrême, induite par le marché, quelles pistes explorer pour les éditeurs et quels nouveaux récits pour les romanciers, les poètes? Bref, quels nouveaux usages pour la littérature? Pour en parler, nous avons réuni quatre auteurs qui occupent des fonctions diverses dans la chaîne du livre. À ma droite, Claire Ehrenschmidt, qui est chercheuse au CNRS, mais aussi animatrice de radio. À ma droite toujours, Antoine Spire, écrivain, journaliste et directeur de collection. À ma gauche, immédiate, Afid Gafaiti, vous êtes poète, universitaire, essayiste et directeur de collection également. Linda Maria Maros, vous êtes poète, éditrice et aussi revuiste d'une revue, la revue traductière, on en parlera tout à l'heure. Tu vous ai mentionné, Carole. Carole, mais ça va bien, pardonnez-moi, le matin. C'est un peu laborieux. Vous êtes poète, éditrice et revuiste. Et enfin, Fernando Barros, qui est libraire de la librairie Chan. Alors, Clarisse, je vais commencer par vous. Vous êtes spécialiste des langues, notamment des langues et des religions de la civilisation de l'Iran avant l'islam. Vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale et l'auteur de ce formidable essai qui, pourrait-on dire, raconte l'histoire de la symbolisation à travers les trois écritures. Je vais le montrer. Alors, les trois écritures qui sont la langue, le nombre, l'écriture de la langue, le nombre et le code. Et donc, la question que je vais vous poser, vous vous en doutez un peu, c'est ces trois écritures racontent l'histoire de la symbolisation. Alors, pouvez-vous nous dire comment ça a fonctionné? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que l'attention de l'homme soit captée par les signes? Alors, je vous remercie de me donner la parole. Oui. Bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. In extremis, ce qui est encore plus joyeux. Je suis ravie d'être avec vous. Et je suis particulièrement contente de devoir résumer mon travail, qui a duré plus de 20 ans, en 10 minutes. C'est un exercice poétique, en fait, n'est-ce pas ? Absolument. Et ça n'est pas l'histoire de la symbolisation, cher Fulvio. Tu t'es trompé. Il s'agit de l'histoire des écritures. Parce que l'histoire de la symbolisation, elle est bien plus ancienne. Oui. Et elle pose la question de l'animalité de l'homme et de la compétence au symbolisme des animaux, etc., etc. Sujet sur lequel je suis infra-nulle. Bien. Bien, merci de cette précision. Alors,
Je vais vous raconter donc en vitesse l'invention de trois grandes écritures. Mon livre s'appelle « Les trois écritures », ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est Marcel Gaucher, avec un sous-titre « Langue, nombre, code ». Pourquoi « Langue, nombre, code » ? L'invention des écritures dans le grand fleuve sémiologique qui va du Moyen-Orient à l'Europe de l'Ouest et qui ensuite, depuis l'Europe de l'Ouest, gagne les colonies européennes et le monde entier via l'écriture numérique, eh bien, elles sont au nombre de trois. La première, c'est l'invention de l'écriture via la notation de chiffres, c'est-à-dire de représentation de nombres et de quantités, à la fin du 4e millénaire avant notre ère, dans la région de Mésopotamie au sens étendu du terme, c'est-à-dire entre deux fleuves, plus la Syrie, plus l'ouest de l'Iran. Donc, ceci a lieu il y a 53 siècles. Mon livre se balade sur 53 siècles. Nous aurions donc 10 minutes divisées par 53 siècles. On va aller vite. L'invention, évidemment, cette invention de l'écriture première inspire les hiéroglyphes égyptiens, puis ensuite l'alphabet consonantique, disons phénicien pour aller vite, et ensuite l'écriture grecque, et ensuite l'écriture romaine via les étrusques, etc., etc., etc. Et ça continue, bien sûr. Hein. L'alphabet propre aux linguistes n'est pas terminé. Ensuite, vers 600 avant notre ère, je vous le fais pour un prix de gros. Hein, parce que... On n'est pas complètement ignorant sur la question. Excusez-nous, moi je ne sais pas qui m'a lu, comment voulez-vous que je sache? Et puis qui s'intéresse à l'archéologie? Bon, l'invention de la monnaie frappée a eu lieu en Ionie, dans l'orbe du royaume lydien, présidé par les Mernades, dont le dernier roi s'appelle Crésus. Et quand nous disons « riche comme Crésus », nous faisons référence à l'invention monétaire. Donc, la monnaie frappée est le support d'une manifestation particulière de nombres qui sont figurés par des images géométriques, par des formes géométriques. J'ai essayé de faire un déchiffrement de cela. Je me suis planté, il a raté, et j'ai essayé après plusieurs fois, et je me demande parfois s'il y a un déchiffrement nécessaire. Ce n'est pas absolument sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est un problème d'expression mathématique. Cette affaire de la naissance des monnaies et de l'écriture mathématique sur le support monétaire, sur les pièces et contemporaines de Thalès. Qu'est-ce qui se passe à la période ionienne à ce moment-là? Il y a un certain Pythagore, hein, qui s'en va de sa région natale, parce que les Perses arrivent et en font la conquête, et Crésus se bat contre les Perses, et son ingénieur, c'est Thalès. Donc on n'est pas à l'extérieur des mathématiques et à l'extérieur de l'histoire. Et puis, la dernière invention, c'est celle du numérique, qui se constitue à partir des travaux de Turing en 1936, publié entre 36 et 38, Turing étant dans la situation suivante. Il doit répondre aux questions posées par David Hilbert, grand mathématicien allemand, qui, au début du XXe siècle, a posé un certain nombre de questions concernant le fondement des mathématiques, auxquelles Gödel, d'abord, Alonzo Church, ensuite Turing, ont répondu par la négative. On ne rentre pas dans les détails. Donc, Turing invente une machine totalement théorique, qui n'est qu'une pure expérience de pensée, et qui est la description d'un ordinateur au niveau le plus simple. C'est cette qui ensuite génère, toujours de façon théorique, la machine de Turing, qui est un ordinateur d'ordinateur, où plusieurs ordinateurs sont connectés à l'intérieur d'une même machine, toujours sous forme d'expérience de pensée. Bien. Et ensuite, eh bien, l'invention de Turing s'étend, en particulier aux États-Unis, mais les chercheurs continuent en Grande-Bretagne, en Europe, en Italie, en France, et d'ailleurs même en Union soviétique. Donc, une fois que j'ai égrené cette succession d'histoires, et je vais aller encore plus vite sur ce qui les rassemble. Qu'est-ce qui me m'autorise, en bonne structuration scientifique, à dire qu'ils font sens? Leur succession fait sens. Cette succession fait sens parce qu'ils véhiculent des mêmes solutions et des mêmes moyens d'invention. La première chose qui les rassemble, c'est que toutes ces inventions graphiques ne concernent au départ que des nombres. Des nombres sous forme de quantités, qui sont
Dans l'idée des inventeurs de l'écriture en Mésopotamie, on graphie des quantités, évidemment, en fait, ça devient des chiffres. Dans l'idée des inventeurs de la monnaie frappée et des signes arithmogéométriques sur les monnaies, ce sont des figurations de nombres par des formes géométriques, comme a fait Pythagore. Hein? Et c'est une idée de un dessin de l'estimation de la valeur ou quelque chose de ce genre, quoique je ne sois pas sûr de rien. Et avec Turing, qui ne parle pas de code, il s'agit d'écrire des 0 et des 1 qui, en fait, ne sont pas des nombres, qui sont de purs chiffres et qui n'ont pas d'idéalité. Alors, ces trois inventions ont d'abord le phénomène fondamental d'écrire d'abord, de manifester d'abord par des moyens très différents les uns des autres, des nombres. Deuxième chose, à chaque fois qu'il y a un artefact fondateur de l'invention, je différencie fondation et naissance, à chaque fois qu'il y a un artefact fondateur de l'invention, en Mésopotamie, une bulle enveloppe en argile, dans l'Ionie, un globule lumineux d'électrum, et alliage d'or et d'argent, et en informatique, si je puis dire, dans l'invention de l'écriture numérique, un objet pure expérience de pensée graphique représentant les compétences radicales de fond d'un ordinateur. À chaque fois, les auteurs de ces artefacts représentent, entre guillemets, l'organe humain dont la production sémiologique va être manifestée par des signes. C'est la bouche pour la bulle enveloppe, c'est l'œil qui estime des valeurs pour la monnaie frappée, c'est le cerveau qui compte et qui écrit et qui calcule pour Turing lui-même. C'est exprimé. Troisième chose, qu'est-ce qui anime ces représentations d'organes et ces organes dans la réalité? Ce qui anime la bouche, c'est l'eau, de la même façon que ça anime l'argile, dans laquelle la monnaie frappée, ce qui anime la monnaie frappée est le regard représenté par le globule représentant un œil, c'est le fluide du regard. Les anciens ne pensaient pas que c'était de la lumière, ils pensaient que les yeux émettaient un fluide. Il y a une physique grecque archaïque, une optique grecque archaïque qui exprime cela. Et les textes sont bien connus. Et Turing a écrit lui-même « Ma machine est un cerveau qui lit, écrit, calcule. » Et c'est la même chose. Lire, écrire, calculer. Bien. Alors, qu'est-ce qui les rassemble en plus dans l'histoire sociale? En Mésopotamie, évidemment, cette invention de l'écriture par des nombres est faite par des gestionnaires, des bureaucrates purs, hein, qui enregistrent des denrées, des dons, des distributions, des réceptions, etc. L'invention de la monnaie frappée est faite probablement dans des contextes rituels que je raconte dans le livre, mais les situations politiques et les réflexions mathématiques et économiques ne sont pas loin. Thalès n'est pas seulement le premier mathématicien, géomètre, philosophe connu, mais également le premier économiste. Bien. Et ça engage évidemment des changements sociaux. Et on peut apercevoir comme changement social dans la cité d'Athènes, par exemple, le fait que la tyrannie, celle des Pisistratides, qui intervient à partir du milieu du VIe siècle, a quelque chose à voir avec l'existence de la monnaie. Pourquoi? C'est parce que les Pisistrate lui-même, était quelque chose comme un populiste qui a donné de l'argent aux pauvres pour libérer les pauvres de leurs dettes alors qu'ils étaient endettés envers les aristocrates, ce qui mettait les aristocrates dans une position privilégiée dans la politique intérieure. Donc, crac! Ça change quelque chose. Chez nous, vous savez bien, tout ce que ça change, je ne vais pas les lister. Maintenant, pour en revenir à la question fondamentale que m'a posée Fulvio, c'est qu'en est-il du symbolique? Alors, sur la question du symbolique, je vous recommande deux auteurs. Ernst Cassirer d'abord, philosophe allemand kantien, du début du XXe siècle, né en Allemagne et mort en Amérique en 45 ou 47, je ne me souviens plus, parce qu'il avait dû fuir l'Allemagne. Plusieurs volumes
sur le concept de forme symbolique. Il faut lire Cassirer, bon, et en même temps, il faut lire avec une bouteille de whisky ou du café. Bien. Et comme introduction à Cassirer, vous avez l'excellent auteur qui est Jean Lassègue, qui a publié un livre qui s'appelle Ernst Cassirer, du transcendantal au sémiotique chez Vrin en 2016, et dont le travail sur Turing, il a fait un livre sur Turing aux belles lettres, il y a déjà une bonne vingtaine, trentaine d'années, qui est sa thèse. Le chapitre 4 est une excellente introduction au problème de la sémiologie et de la symbolique surtout. Alors, qu'est-ce qu'une forme symbolique? Je cite Cassirer. Par forme symbolique, il faut entendre l'énergie de l'esprit par laquelle un contenu de signification de l'esprit est accolé à un signe sensible, concret, et intrinsèquement adapté à ce signe. En ce sens, le langage, le mythe, la religion, l'art se présentent chacun à nous sous une forme symbolique particulière. Tous, en effet, portent la marque d'un phénomène fondamental. Notre conscience ne se satisfait pas de recevoir une impression de l'extérieur, mais elle lie chaque impression à une activité libre de l'expression et l'en imprègne. Un monde de signes et d'images qui se sont créés d'eux-mêmes s'avance au-devant de ce que nous appelons la réalité objective des choses et s'affirme contre elle dans sa plénitude autonome et sa force originelle. Cassirer, 1922. Il y a donc une petite multiplicité de formes symboliques, langage, art, mythe, religion, connaissance. À quoi se sont ajoutées par la suite des études qui ont prolongé Cassirer, la perspective et apparemment l'écriture, ce qui fait mon travail. Et donc, que fait une forme symbolique? Ici, je cite Jean Lassègue. On dirait aujourd'hui que la forme symbolique est ce qui rend possible la constitution d'une matière en signifiant. C'est un objet de matière qui devient un signe dans l'univers symbolique et sémantique. Et bien évidemment, un mot est un objet matériel, comme vous savez, il y a des ondes dans l'air. Donc les formes symboliques sont une mise en ordre qui fait de la réalité sensible quelque chose d'interprétable. Les formes symboliques engagent le corps propre de tout un chacun dans des pratiques partagées. Parler, compter, écrire, regarder des images, s'habiller, se montrer, etc., etc., etc. Les diverses formes symboliques entretiennent des relations entre elles, paroles, écriture, nombres, calculs, représentations, art, peinture, prières, chants, etc., entre elles. Donc elles constituent des relations entre elles et constituent ce que nous appelons la culture et que nous ne savons pas décrire. Toute transformation dans l'une engage les relations avec les autres et engage des transformations du monde symbolique. Qu'est-ce que le monde symbolique? C'est là où vivent les humains. C'est une sémiosphère ou une symbolosphère. Je veux bien les deux, mais symbolosphère, ça fait bizarre. Et parce que sans les signes, pas sans le langage, sans les signes de façon générale, nous ne pouvons ni devenir des sujets, ni devenir des amis, des collègues, des citoyens, et ni partager le monde. Donc toute transformation dans une de ces formes symboliques, bon, moi je les appelle des échos symboliques, mais ce n'est pas la même image que Cassirer, va réjaillir sur le reste. Donc, des transformations sociales, pas seulement la tyrannie à Athènes, pas seulement la création de classes sociales nouvelles en Mésopotamie ancienne, mais chez nous, quoi? Des milliers de choses. Nous sommes une des générations de l'histoire humaine qui vit ce bouleversement. Soyons-en fiers et soyons à la hauteur. Merci à la Thérèse de cette remarquable présentation. Alors, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, on va continuer notre table de ronde.
Alors, vous, avec ce recul historique si profond, comment voyez-vous l'évolution, justement, de cette écriture aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux? Comment voyez-vous l'évolution, puisque, effectivement, vous évoquez que toute transformation des signes induit, évidemment, des transformations dans l'espace public, politique et culturel, évidemment. Comment voyez-vous avec ce recul historique que vous avez? Moi, ça m'amuse énormément. Ah, allez, pourquoi? Voilà, bon. J'adore ça. Je déteste les réseaux sociaux sur lesquels je ne mets pas les pieds. J'ai eu un compte Facebook parce qu'une amie, je suis dans un petit cercle littéraire, m'a fait ça, que c'est une geek beaucoup plus jeune que moi. Et bon, et après, je me suis retrouvée sur Facebook et après, je me dis pour appuyer sur liker, me casse horriblement les pieds. Et donc, j'y fiche plus les pieds. Et ça continue, je recevrai encore des gens qui veulent être des amis. Et je ne suis plus l'ami de quiconque. Alors, pourquoi ça vous amuse? Parce que je perds mon temps. Oui, d'accord, mais plus amplement, vous dites que... Pourquoi ça m'amuse? Non, pour cette transformation, vous dites que, vous avez fini votre présentation en disant « Soyons en fiers ». Bah oui, formidable quand même. Mais moi, je trouve ça formidable. Bon. Mais comment voyez-vous la suite? Comment vous qui avez... Écoutez, vous êtes une des rares à avoir ce recul historique avec de façon aussi... Écoutez, de façon aura des pâquerettes. Quand je cherche des textes, je les trouve sur ma machine au lieu de faire la queue à la bibliothèque de la Sorbonne. D'accord. Bon, parce que j'ai suffisamment souffert de la bibliothèque de la Sorbonne et de la bibliothèque... national. Et après, pour faire... Excusez-moi, madame. Mais on faisait comme... C'était parfois difficile, quand même. À la Bibliothèque nationale, c'était beaucoup mieux qu'à la Sorbonne. Bien. Déjà ça. D'autre part, comme je suis pluridisciplinaire, c'est-à-dire indisciplinaire, il fallait les cartes de 13 bibliothèques. Ce qui était... Il m'en manquait toujours une, voire deux, voire trois, parce que je suis très, très désordonnée. Donc, ça n'allait pas non plus. Bon, alors, l'accès au savoir sur par l'Internet, eh bien, je trouve ça très commode. Mais comme je suis en casse-pied comme tout et embêtante, il n'y a aucun de mes textes, quasiment, parce que ça m'embête de les mettre. Bon, voilà. Donc, c'est déjà contradictoire. Mais, au fond, la pensée des autres m'intéresse beaucoup plus que la mienne. La mienne m'intéresse dans la mesure où il y a un devenir, mais les vieux trucs, ils m'embêtent. Bon. Alors, je trouve que ça, c'est absolument merveilleux. Et puis, moi, j'aime beaucoup, par définition, l'intelligence humaine et la créativité humaine. Bon. Ça peut se faire dans les langues. Ma passion fondamentale, c'est les langues. Mais, et dans la religion, voilà. Je trouve ça formidable. Maintenant, ça a des embêtements. Oui. Des embêtements. Les réseaux sociaux en sont clairement un, étant donné la multiplication des... du complotisme grâce à eux. Bon, alors, par ailleurs, ce qui a considérablement changé, c'est l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on lit extrêmement vite les mails, on écrit soi-même extrêmement vite, on ne se relit pas. Oui. Très peu. Oui. Hein, et ceci est une perte, d'une certaine façon. C'est une perte. Mais en même temps, peut-être que les jeunes générations seront plus habiles que moi. Je ne peux pas imaginer qu'ils seront aussi cloches, quand même. Bon, faire cette gloire, quand même. Ils seront moins cloches. Bon, moi, j'aime le livre. J'en ai trop, d'ailleurs. Bon, mais ça n'empêche. Je veux dire, bon, écoutez, tout ce qu'on a pensé comme catastrophe quand est arrivée l'imprimerie, dont je n'ai pas parlé parce que c'est... Oui. Il y a eu le même phénomène, bon, c'est vrai. Bon, quand même, au contraire, qu'est-ce que ça a donné l'imprimerie? Ça a donné en quelques années Luther. Oui. Hein, la Révolution française. Non, oui. Pas. Quand même, on est au début du 16e, là. Oui, d'accord. Non, la Révolution française, c'est un peu plus tard. Oui, je sais, deux siècles, mais en fait, c'est l'aboutissement. Le prince de Machiavel et Erasme, c'est-à-dire les grands penseurs fondant les siècles à venir. Donc, il s'est passé quelque chose, il se passe peut-être la même chose, et on ne connaît pas les gens qui le font. Bien, merci. Merci, Clarisse. Alors, je me tourne vers vous, Antoine, Transpire. Vous voulez réagir au propos de Clarisse? Attendez, là c'est un peu court. Oui, très bien, voilà. Bon, alors moi je n'ai pas sa compétence pour prendre la mesure
de l'histoire des formes symboliques. Oui. Mais je peux dire un mot peut-être de nouvelles formes symboliques qui nous envahissent, justement avec le numérique aujourd'hui et avec cette troisième étape qu'elle décrit, qui est l'étape des codes. Je trouve que dans nos sociétés, l'information est un moyen privilégié d'organiser, de mettre en forme finalement quelque chose qui est de l'ordre d'une normalité. Et cette question de l'information, qui est finalement une succession de molécules de vie sociale, ça devient un des sujets de l'existence. C'est-à-dire qu'au milieu de nos existences, ce qui devient absolument fondamental, c'est des échanges d'informations. Et je constate, si vous voulez, que la détention d'informations, en général, donne un certain pouvoir. Et qu'à partir de l'information et de nos sociétés d'information, se constituent des pouvoirs politiques, voire des pouvoirs économiques. Alors avec le langage numérique, les subjectivités se trouvent d'une certaine façon enserrées dans un filet de normes qui est de plus en plus dense et de plus en plus contraignant. C'est-à-dire que les idéologies prétendument scientifiques viennent souvent légitimer quelque chose qui est de l'ordre du naturalisme économique et transformant le citoyen parfois en sujet neuroéconomique et son éducation en une sorte de fuselage de ses compétences en vue des compétitions à venir. Et j'ai l'impression que les fabriques de servitude mettent en esclavage les individus et les populations au nom de l'efficacité technique, de l'illusion d'un bonheur qui serait procuré par les algorithmes et par la mondialisation marchande. Donc on a une situation assez étrange qui est que ces formes symboliques nouvelles auxquelles vous avez fait allusion nous enserrent et nous mettent dans une situation qui est de l'ordre presque d'un espèce de... Alors peut-être le mot est assez fort, mais j'emprunte ce mot à Roland Gori dans son livre qui vient de sortir et qui s'appelle « La fabrique de nos servitudes ». Et Roland Gori insiste sur le fait que, au fond, on est peut-être en face d'une nouvelle servitude économique et normative qui enserre nos pratiques et notre existence. Et si on réfléchit un peu à la manière d'affirmer nos existences, on peut se poser la question de savoir si pour en sortir, il ne faut pas modifier nos habitus au sens de Bourdieu, c'est-à-dire nos manières de faire, et finalement nos habitudes aussi, pour restaurer la force révolutionnaire du langage, la force révolutionnaire du langage et de la métaphore, et en conséquence, rétablir le pouvoir des fictions. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, je crois qu'en face de ces puissances symboliques auxquelles vous avez fait allusion, la fiction est un formidable contrepoison. Comment ? C'est un formidable contrepoison parce que c'est toute ma deuxième partie. Je pense que les ordres existants ont toujours haï les utopies. Et d'une certaine façon, les puissances se méfient d'une autre puissance qui est la puissance de l'imagination et la puissance de l'expérience de pensée. Et quelles que soient les formes symboliques qu'on utilise, ces formes de pensée restent présentes. Je suis très sensible au fait que dans son exposé tout à l'heure, Madame a expliqué comment ces formes symboliques organisent ce qui est, ce que sont les forces de pensée et ce que sont les initiatives de pensée. Et c'est ça qui pose problème si on revient aux initiatives de pensée. Et l'utopie ne se réduit pas finalement à un genre littéraire ou à une rêverie politique d'un futur improbable, mais elle constitue, je dirais, une position éthique, une position politique, un style, un foyer de liberté. C'est-à-dire que c'est dans l'utopie et c'est dans la fiction que s'organise quelque chose de l'ordre d'un foyer de liberté. Dans l'instant, on peut prendre en compte l'histoire de tous les esclavages et toutes les luttes sociales, tous les marronnages qui ont permis de lutter contre ces esclavages. Si on se pose la question de savoir si cette forme symbolique nouvelle ne crée pas une forme d'esclavage, ben on
on peut petit à petit se dire, cet esclavage qui est provoqué par ces formes nouvelles, qui a été au fond subverti dans l'histoire par le chant, par la danse, par le récit, par le conte, qui sont quoi finalement ? Qui sont des voies d'émancipation ? Et je me pose la question de savoir si finalement la situation dans laquelle nous sommes ne nous amène pas à repenser l'émancipation. Alors vous allez me dire, on va être très peu nombreux pour l'instant à penser l'émancipation en face de cette forme symbolique à laquelle tout le monde se croit astreint de céder, à laquelle tout le monde se croit astreint d'obéir et finalement d'organiser l'essentiel de son temps. Lorsque vous avez parlé des réseaux sociaux en disant qu'on y perdait beaucoup de temps, croyez-moi que je partage bien cette idée et que, au fond, pour une utilité extrêmement faible, bien sûr. Ces réseaux sociaux, finalement, quand on essaye de voir ce qu'ils donnent, quand on y goûte, au bout d'un certain temps, on se dit, mais qu'ai-je appris ? Qu'est-ce que ça... Ça m'a pris beaucoup de temps, mais pourquoi faire ? Dans quel objectif ? Et finalement, aucun objectif. Des substituts d'amitié, des substituts de rapports sociaux, qui ne sont pas des vrais rapports sociaux. Mais c'est... qui ne sont pas des rapports sociaux organisés sur le rapport des corps et le rapport des pensées, mais qui sont des substituts organisés sur des traces. Mais c'est ça qui capte l'attention, cette économie de l'attention. Voilà, exactement, et donc qui disperse. Alors comment concurrencer qui disperse l'attention. Oui. Et qui disperse l'attention. C'est la raison pour laquelle, moi je crois que la solution, une manière d'y échapper, une manière de subversion, c'est de résister aux fabriques de servitude, c'est l'utopie, c'est une nouvelle manière d'agir, de penser l'infini et le complexe, l'instable, le multiple, le divers, et le vivant exige ça. C'est-à-dire le vivant exige qu'on se centre sur cette diversité, sur cette organisation. Et je pense qu'il y a urgence à détourner l'utile, le prétendument utile, pour en faire du beau. Détourner l'utile pour passer au beau, pour emmêler le vivant au vrai, et faire chuter sa majuscule pour que nos vies ne soient pas minuscules. C'est-à-dire que pour que nos vies ne soient pas minuscules, il faut faire chuter cette majuscule qui est devant vrai. Et si vous voulez, au nom de ce qu'on appelle le vrai, au nom de cette prétendue vérité, moi je pense que la vérité, c'est une question vraiment très, très absorbante et qui vous évite de réfléchir aux tâtonnements qui sont nécessaires pour un processus de transformation de la réalité. Alors, vous qui êtes un fin observateur de la scène littéraire depuis bien longtemps, comment voyez-vous son évolution ? Parce que est-ce que effectivement ce beau que vous évoquez, auquel on adhère, bien sûr, il y aura une table ronde, je rappelle qu'il y aura une table ronde sur l'épreuve de la beauté cet après-midi. Comment voyez-vous l'évolution de cette scène littéraire aujourd'hui, vous qui l'observez depuis tant d'années, est-ce que ça va vers le mieux ? Est-ce que le niveau monte ou est-ce qu'il descend ? Toute proportion gardée, puisque effectivement, il y a beaucoup plus d'écrivains qui. Le problème n'est pas de savoir s'il monte ou s'il descend. Non, mais enfin. Le problème, c'est de voir que cette scène littéraire, elle est toujours présente. Oui. Je veux dire qu'elle est toujours présente, ça veut dire que l'imaginaire, la fiction est toujours là, et que la mythologie est toujours là, et qu'en fait, malgré ces formes symboliques que vous avez évoquées, essaye de se manifester des effets de pensée dont l'importance est absolument décisive et qui se traduisent dans l'écriture. Et moi, je suis tout le temps fasciné par la richesse extraordinaire du patrimoine littéraire qui est le nôtre. Comme je suis membre d'une profession journalistique, de journaliste culturel qui observe la réalité, je dois dire que chaque fois que des confrères disent « Ah, la littérature française, ça se réduit à l'intimité ou autre imbécilité », et qui ne sont incapables de voir le foisonnement littéraire qui existe aujourd'hui dans la réalité... Mais est-ce que ce foisonnement, pardonnez-moi, suffit à démontrer justement, la qualité ou...
La qualité, on la retrouve dans le foisonnement. La qualité, c'est difficile, vous savez, parce que je pense qu'on ne peut pas trouver des normes pour, savoir ce qui est qualité et ce qui ne l'est pas, et qu'en fonction de nos cultures différentes, nous attribuons le qualificatif de qualité à des réalisations littéraires extrêmement différentes, et qu'aujourd'hui, faire le partage entre ce qui est qualité et ce qui ne l'est pas n'est pas facile. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Monsieur Houellebecq vient de sortir un livre. C'est extrêmement intéressant pour ceux qui ont eu la chance de regarder. Ça n'a absolument aucun intérêt sur le plan de la fiction littéraire, de l'imagination, etc. Et que voit-on ? On voit toute la gente journalistique considérer que c'est un événement littéraire. Or, cet événement ne fait que reproduire des choses qui ont aujourd'hui 20 ans d'âge, 30 ans d'âge, ah oui, c'est ça, et on se dit que cette reproduction ne crée pas quoi que ce soit de neuf, et on est en face de quelque chose qui est très très loin de la littérature, dans la mesure où il n'y a pas d'imagination nouvelle, il n'y a pas de pensée nouvelle, et surtout, il n'y a pas de travail sur la langue, et dans la langue, comme on est en droit de l'attendre, d'une expérience littéraire un peu originale. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde se fixe sur ce... Alors, bon, bien sûr, il y a l'effet d'entraînement, il y a la mode, il y a la publicité, il y a les réseaux numériques, etc., qui focalisent sur Houellebecq. Mais c'est tellement loin de la littérature, si vous voulez, quand on lit de la grande littérature qui paraît aujourd'hui, je peux prendre quelques exemples, je prendrais par exemple Lydie Salvert, souvent des femmes, des écrivains vraiment qui produisent des choses de très grande qualité, Mélisse de Kerangal, etc. Ceux qui se donnent le temps de lire ce qu'elles écrivent, ceux qui se donnent le temps de comprendre en quoi la transformation du langage chez elles est un indice extrêmement intéressant, justement, d'un travail sur la qualité, sur la beauté, original et en harmonie avec cette critique des réseaux numériques par laquelle j'ai commencé. J'ai l'impression que ceux qui se donnent ce temps comprennent qu'il y a dans la littérature française contemporaine des éléments absolument formidables. Mais je pourrais prendre la même chose pour la littérature étrangère. Je suis extrêmement étonné que tout ce qui se publie d'intéressant en matière de littérature française ou littérature étrangère échappe le plus souvent à la prise en compte de la majorité de la société, parce que son œil est attiré par des choses qui ont moins d'intérêt que les autres. Alors pourquoi ce système publicitaire ? Pourquoi la domination de la valorisation, etc. Vous êtes journaliste, et de l'économie du livre qui organise ses préférences. Je crois que c'est la situation de la société dans laquelle nous sommes, du système dans lequel nous sommes, qui organise la préférence autour de questions qui ne sont pas centrales du point de vue de l'imagination, du point de vue de la pensée, pour essayer justement de faire sortir ce qui est essentiel et qui est absorbé, qui est banalisé par les réseaux numériques. Merci Antoine. Je vais poursuivre le débat en me tournant vers Carole Mestrebian pour l'interroger justement. Antoine Spire a évoqué la nécessité de la fiction, donc de l'imaginaire. Vous qui êtes poète, critique littéraire, revuiste et performeuse française, comment vous réagissez à cela? J'ajoute que vous dirigez avec votre complice Marilyn Bertoncini l'excellent site de poésie en ligne Recours au poème, qui est à sa 12e édition, mais vous êtes aussi co-éditrice de la maison d'édition Transignum, fondée par Vanda Miliak. Pardonnez-moi. Tout à l'heure, je m'excuse, je vous ai oublié. Alors, une question me taraude, puisqu'on évoque l'imaginaire, on a évoqué les codes qui ont créé ces monstres qui nous fascinent, nous divertissent au sens propre et au sens figuré. Comment la poète que vous êtes pratique-t-elle, vous qui animez un site en ligne, la poésie, avec une question subsidiaire, la poésie est-elle soluble dans l'Internet? C'est une grande question, effectivement. Alors, Recours au poème, c'est une revue qui fait quand même plus de 100 kilovues par mois, qui est lu à l'international.
par un public jeune. Plus de 50% de nos lecteurs ont moins de 33 ans. Voilà, donc, arrivent des pays du Maghreb, des pays anglophones. Ça pose pas mal de questions. Oui. Moi qui suis enseignante aussi, j'entends tout ce qu'on dit ici et je vois mes élèves qui sont des élèves de quartiers défavorisés qui n'ont pas accès forcément aux livres, mais pire que ça, qui pensent par fragments, qui lisent par fragments sur les écrans. Donc, ça pose diverses questions. Ça pose la question du texte et de sa réception. Ils écoutent aussi de la musique par fragments. Tout est fragmenté. Le livre est une globalité. Hein. Et sur Recours au poème, on publie des fragments. Donc, la poésie, est-ce qu'elle est soluble et comment est-ce qu'elle est soluble sur Internet, hein. C'est ça. Ça pose la question de sa réception. Est-ce qu'en lisant un poème sur un écran, on reçoit la même chose que quand on le lit dans un recueil avec un paratexte qui dessine un horizon d'attente et qui demande certainement une appréhension différente que celle qu'on a sur les écrans. Alors là, il faudrait réfléchir à tout ça. Il faudrait se demander quel est le paratexte de l'Internet pour aller plus loin. Mais vous, en tant que poète, comment vous réagissez, comment vous travaillez à travers... on travaille tous finalement dans sous la pression de cet environnement qui est numérique maintenant, d'une certaine façon. Il ne nous est pas étranger. Comment je publie, oui, si je publie oui, des textes. Comment vous écrivez, oui. Voilà. Oui. J'ai pas de... Je n'écris pas pour publier sur Internet. Non, bien sûr. Voilà. Et quand il y a des fragments, ça me dérange. Parce que je sais qu'il est... Les fragments sont dans un tout signifiant qui est le livre. Voilà. Personnellement. Maintenant, sur Recours au poème, je sais que les gens qui viennent parce qu'ils viennent chercher des classiques. Ah oui. Ouais. Baudelaire, Michaud, enfin des noms. Et qu'il y a un taux de rebond important. C'est-à-dire que les gens qui viennent chercher une page rebondissent sur d'autres pages, découvrent d'autres poètes, vont voir les actualités. Voilà. Et que ce public est un public jeune. Donc, l'Internet sert à diffuser et à toucher un public qui n'aurait pas forcément eu accès à des textes, à des poètes contemporains. Et ce public qui vient chez nous est souvent un public qui n'a pas la démarche d'aller acheter des recueils. Voilà. Ça, ce sont des constats, ce ne sont que des constats. Ce sont des constats aussi quand je vois mes élèves qui n'ont plus accès aux livres, qui n'ont plus accès à un tout, une globalité signifiante et qui pensent complètement autrement que nous. Comment et on fait quoi, nous, pour... voilà. Ah oui, que faites-vous? Ah, moi, je me démoralise. Non, mais est-ce qu'ils vous répondent en disant « Oh, c'est vieux jeu, cette histoire. » Alors, les poètes, pour eux, sont tous morts. Hein. Il n'y en a plus des vivants. D'accord, mais ils pratiquent... Voilà. Je vous le dis parce qu'ici, on discute de tout ça. Il faut remettre les choses dans une perspective de notre monde et de la transmission qu'on a à opérer pour ces jeunes. Voilà. Oui, mais ils pratiquent une autre forme de poésie, enfin, qui est repris par les chanteurs. Alors, effectivement, le slam, les slameurs, le rap, tout ça sont des portes d'accès. C'est la poésie, oui. Voilà, on a fait un numéro spécial justement pour vous avez eu des échos de cela? Oui, il y a eu beaucoup de visiteurs et très jeunes et qui ont pu accéder à d'autres poètes qui sont ni des rappeurs ni des slameurs, mais qui sont des poètes contemporains ou classiques qui ont publié des recueils. Et ils accèdent comme ça progressivement à un autre type de poésie. Ils voient que des recueils sont publiés, etc. Voilà.
Donc, je dirais que l'Internet, c'est la poésie, oui, elle va devoir être soluble dans l'Internet parce que c'est notre voie d'accès aux jeunes générations. Voilà. Oui. C'est un constat terrible, mais c'est un constat qu'il faut qu'on pose. Bien. Bon, ben, c'est vrai que c'est oui, ça semble être évident. Oui. Évident. Et voilà. Tout quoi. Mais oui, mais les relais, les autres relais. Bon, le livre peut prendre relais à cet égard. Alors oui. Alors justement, mais, puisque vous êtes éditrice également des éditions, coéditrice des éditions Tansignol. Et maintenant de la maison d'édition Auxibia que j'ai reprise. Alors il va falloir que je me. Voilà. Bon, vous avez beaucoup de boulot. Alors justement, comment vous allez vous y prendre pour connecter, faire la connexion entre justement l'univers numérique qui est intangible, c'est sur des signes, des images, des signes, et justement l'objet. L'objet livre. L'objet livre. Alors, vous avez l'objet livre. Voilà, votre recueil, ma femme. L'objet livre. Dans mon sac. Avec un. Voilà. L'objet livre, effectivement, il dessine un horizon d'attente. Oui. Il a, avec son paratexte. Hein, oui. Le texte dedans suit une chronologie, oui. Avec également un tout signifiant. Oui. Alors, il me semble qu'il va falloir penser le support numérique hein, en termes de ces paramètres-là. Oui. Hein? Donc, de nouveaux usages. De nouveaux usages, voilà. Vous les voyez, vous, qui êtes à cheval entre justement le numérique avec les revues recours ouais. au poème et... L'édition papier avec Tansignol, vous la voyez, cet usage? Absolument, oui. Totalement différent en termes de public touché. Expliquez-nous, dites-nous, comment vous la voyez? Moi je pense en termes de public, en termes de lectorat, oui, de gens. C'est un mot qui fait très économique, mais, oui. mais c'est surtout de ce partage de la poésie. Oui. Et le livre est une denrée, le recueil, pour les happy few à notre oui. époque. Hein. Il faut ouvrir les yeux. Oui. Hein. Même si je suis d'accord que... Non, mais je suis absolument d'accord avec cette analyse que l'Internet est une fabrique d'archétypes suivis par les jeunes sans aucun esprit critique. Oui. Mais il faut investir ce vecteur. Il faut investir ce vecteur. Alors comment ? Avec recours au poème, d'accord, avec peut-être le support filmique. Moi maintenant, au lieu de faire des papiers, un buvable pour des gamins ou pour des gens qui n'ont pas le temps ou pour des gens qui n'ont pas la ressource de lire un papier critique, j'ai commencé à faire une série de films. Le premier avec Claude Bert sur son recueil Mu, et je lui ai dit parle-nous de ton recueil. Et j'ai mis ce film sur recours au poème dans les critiques pour que tout le monde vienne regarder ça. Et que des gens de tous horizons sociaux aient peut-être envie d'aller lire Claude Bert. Parce qu'elle est là, elle parle de ce qu'elle a écrit, elle dit ses mots à elle. Voilà. Ça, c'est une idée. Voilà. Il va falloir, il me semble, s'adapter. Il va falloir sortir du petit cercle et aller chercher nos frères humains plus jeunes pour que le monde qu'on construit soit un monde qui intègre la poésie, mais qui surtout mette en œuvre ce que nous, on porte. Notre idéal d'humanité qui est là dans les livres, que personne n'ouvre. Hein. Non, mais pas grand monde. Faut dire les choses, hein. Oui. Même si ça dérange. Voilà. Merci. C'est un plaidoyer pour la, justement la découverte de nouveaux usages. Voilà. Qui est aussi au cœur de votre travail, Clarisse, lorsque vous évoquez à la fois vous faites la différence entre l'invention et la naissance. L'invention, c'est lorsque ça apparaît, c'est la conception, proprement parler, on pourrait dire. Enfin, conception qu'on ne domine pas. Qu'on ne domine pas. On ne sait pas où ça va.
Et la naissance, c'est lorsqu'on a tout, on a trouvé les usages. On a trouvé les usages. Je me tourne vers Linda Maria Barros. Linda Maria, vous êtes poétesse, essayiste et traductrice franco-roumaine. Vous êtes la lauréate du prix Guillaume Apollinaire en 2007. Vous êtes membre de l'Académie Mallarmé et de plusieurs autres associations. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner le fait que M. Spir est président du Pen Club français. Vous en êtes membre également. Vous êtes aussi bien placé pour observer l'évolution de la scène poétique française et francophone. Alors, dans la préface de votre livre « La maison à l'âme de rasoir », hein, votre premier recueil, si vous m'abuse, Patricia Castel... mon quatrième. Ah, mon quatrième, bon. Alors, pardonnez-moi. Patricia Castex-Meunier évoque la précarité de la maison, je vous cite, qui s'élève du brouillard de l'être et dont les maçons qui doivent la parachever semblent se transformer en loups. Qui sont aujourd'hui, selon vous, les loups qui menacent la maison de l'être, qui peut être aussi la maison du langage? Il n'y a pas de menace, premièrement. Les loups représentent, bien entendu, c'est une métaphore très connue, la jeune génération. Ils ne menacent absolument rien. Ils sont là pour construire cette maison, mais pour la construire autrement. Je vais peut-être reprendre un petit peu tout ce qui a été dit par la force des choses, parce que je suis bien entendu d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération de manière simultanée. Il y a d'un côté, bien entendu, cette nécessité tout à fait évidente de trouver un moyen pour faire de cet espace numérique une sorte d'arme de promotion de la littérature. Cela est indispensable. C'est à nous de trouver une approche satisfaisante. De l'autre côté, il y a une nécessité, encore à mes yeux bien entendu, parce que je suis poète avant toute chose, encore plus importante. Il faut nécessairement changer la donne littéraire. La donne poétique. Je pense qu'il est grand temps, comme le disait Antoine aussi, qu'on tente de se réinventer, de sortir des chemins battus, de vraiment entamer une lutte, un combat, mais un vrai combat cette fois-ci, parce qu'on en parle souvent, mais on voit bien que cela n'est pas fait, contre les stéréotypes. Cela est, je pense, fondamental. Il faut qu'il y ait une véritable ouverture de perspective, par exemple à travers des traductions. Il faut qu'il y ait un véritable travail, donc je reprends ce qui a été dit, sur le langage. Vous êtes directrice du Festival franco-anglais de poésie, où la traduction est au cœur. Alors, justement, vous publiez par ailleurs des livres au sein de ce festival à travers une maison d'édition qui s'appelle justement la Traductière Édition. Quelle est la ligne justement? Comment vous la mettez en pratique, cette nouvelle perspective dans votre maison d'édition? À l'origine, la Traductière est une maison d'édition très ancienne. Elle est beaucoup plus âgée que moi. Je l'ai reprise il y a peu de temps et il s'agissait à l'époque d'une maison qui n'avait qu'un seul objet, la publication d'une revue et intitulée d'ailleurs, une revue éponyme, donc intitulée La Traductière. Cette revue s'articulait autour de dossiers de création et de traduction. Les dossiers de création entremêlaient des textes écrits en français et traduits nécessairement en anglais, étant donné le profil, n'est-ce pas, tu as mentionné Fulvio, le festival franco-anglais
de poésie, et des textes écrits dans d'autres langues et traduits en français et en anglais. Et ensuite, il y avait des dossiers thématiques, donc de création thématique, mais avec cette spécificité. Et ensuite, des dossiers consacrés uniquement à la traduction. Il s'agissait donc de faire découvrir, par exemple, la poésie australienne d'aujourd'hui en France. Étant donné ce sillage, qui est à mes yeux tout à fait intéressant et qu'il était de toute évidence également aux yeux de tous les autres membres de l'association. D'ailleurs, plusieurs membres de la traductière sont aujourd'hui présents, donc je voudrais les saluer. Voilà. On a pensé qu'on pourrait diversifier nos activités en passant justement à des livres. Et la première expérience que nous avons eue dans ce domaine est une expérience, je pense, très, très intéressante et qui peut être évoquée dans le contexte qui est aujourd'hui le nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de publier pour le compte du Printemps des Poètes en France, tous les ans, 5 ou 4 recueils de poèmes écrits par des auteurs appartenant tous à la nouvelle vague, des auteurs européens. Outre cette publication en français, publication tout à fait, disons, hors du commun, parce qu'il s'agissait de tirer à 1000 exemplaires des recueils distribués gratuitement, donc le sens de cette publication était strictement promotionnel. Il y avait des rencontres avec le public, mais aussi une plateforme numérique. Plateforme numérique qui s'intitule, comme le programme lui-même, Versopolis, vous la trouverez facilement sur Internet. Voilà, plateforme qui justement est un autre moyen de mettre en avant le travail de création de cette jeune génération européenne, strictement poétique par contre, donc je tiens à le mentionner encore une fois, mais aussi le travail des traducteurs, parce que tous les textes sont traduits, et quelque chose de plus important encore, justement la valeur de la traduction qui rend ces textes accessibles. Par conséquent, il nous a semblé logique de participer à cette nouvelle aventure éditoriale. Malheureusement, la France ne participe plus désormais au programme européen Versopolis. Elle s'est retirée un petit peu avant la pandémie et la traductière a décidé de poursuivre son chemin en publiant cette fois-ci des recueils classiques qui se vendent, donc voilà. Mais ça, c'est déjà une autre aventure à construire. Je sais que cela prendra du temps. Oui, vous m'aviez parlé. Mm. Bon, on va continuer. Merci, Linda Maria. pour ce plaidoyer aussi, par ailleurs. Alors, je me tourne vers mon voisin de gauche, Afid Gafaiti. Vous avez enseigné la littérature française et francophone pendant plus de 20 ans aux États-Unis, où vous en êtes devenu pendant l'exil, justement, durant la guerre civile, au début des années 90, et vous en êtes devenu citoyen. Donc vous êtes américano-algérien, c'est ce que vous m'aviez dit en préparation de cette rencontre. Vous êtes également poète et chercheur. À ce titre, vous dirigez la collection Études transnationales et francophone à l'Harmattan, la diasporisation des littératures postcoloniales est le titre, on va le montrer, le titre de votre essai où vous analysez très très finement l'évolution littéraire de l'Algérie contemporaine au travers de ses romanciers. Vous en avez choisi deux, dont le parcours me semble emblématique, Rachid Mimouni et Assia Djeba. Pourquoi eux ? Merci Fulvio, merci de cette Allez, cette je montre le livre. Ah. Et j'ai oublié de montrer l'autre livre. Avant, je vais montrer celui de Linda Maria, puis tout à l'heure peut-être
celui de Carole. Ce livre participe dans le domaine de la littérature à un processus qui a eu lieu en Algérie, mais aussi au Maghreb de manière générale, et parallèlement aussi en Afrique, en Amérique latine. Et tu as parlé hier d'Ortiz, qui a oui. Commencé conceptualiser, si tu veux, ce processus. Ici, il s'agissait pour moi de réfléchir sur l'évolution de cette littérature. Parce que dans l'histoire de la littérature francophone du Maghreb, elle commence à la fin du 19e siècle, avec la colonisation. Pendant la première partie de l'histoire littéraire francophone, les écrivains étaient d'abord des journalistes la plupart du temps. Et c'était les gens qui commençaient à maîtriser le français à partir de 1850, donc à peu près 20 ans après la conquête de l'Algérie par la France. Et petit à petit, en fait, le but était, c'est ce qu'on avait appelé le phénomène de la résistance dialogue. On voulait dialoguer avec l'envahisseur. Donc les journalistes ont commencé à écrire des articles dans la presse autour de questions sociopolitiques. Ils vont devenir les premiers écrivains. Et ça va donner, à partir de 1920, les auteurs qu'on a appelés les auteurs d'entre les deux guerres. Et on arrive là, je vais faire très 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 rapidement. Donc, on arrive, après 1945, à une nouvelle conscience nationale qui fait le constat de l'impossibilité du dialogue avec la France, et donc qui va passer à la rupture avec la France. Ça va donner la guerre d'Algérie, donc pendant 8 ans, mais ça va aussi donner la littérature qui deviendra la littérature postcoloniale. Ce sont des grands écrivains fondateurs comme Kateb Yassine, Mohamed Dib, Assia Djebbar, la seule femme, avec son premier roman La Soif en 1955. À l'indépendance, ce sont ces auteurs-là qui vont être les auteurs dominants, qui vont produire une littérature qui est basée sur une rupture, sur une ambivalence, sur un rapport de conflit par rapport à la France. La génération d'écrivains qui va suivre va se distinguer de cette littérature qui était nationaliste, etc., dans la mesure où elle va s'ouvrir sur le monde, elle va s'ouvrir sur les autres cultures, elle va avoir un nouveau rapport à la France, à la langue française, etc. J'ai choisi ces deux-là parce qu'ils sont représentatifs. Assia Djebbar, en fait, appartient aux deux générations. Mais elle appartient aux deux générations dans le sens où elle a été une des premières à initier ce processus, notamment en mettant en avant la condition des femmes, dès son premier roman. La sexualité des femmes qui était toujours... qui relevait toujours du discours des écrivains masculins. Elle va être la première femme à écrire sur la sexualité des femmes d'un point de vue de femme. Et elle va continuer aussi dans ce processus de déconstruction du nationalisme que nous avons connu. Rachid Mimouni, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un écrivain dissident, ouvertement dissident, qui va donc refuser toute l'idéologie nationaliste principalement imposée par le FLN, et qui va concevoir un nouveau rapport à la culture mondiale, à la France, à la littérature française, etc. Et je voulais m'arrêter davantage sur Assia Djebbar parce qu'elle évoque un titre en particulier m'a interpellé, c'est la disparition de la langue française. Elle écrit ce livre
qui me semble très révélateur aussi du passage que nous vivons, parce qu'en fait, elle l'écrit pour le... En regard avec l'expérience algérienne, mais aussi pas métaphoriquement, c'est ce que nous vivons également aujourd'hui. J'ai en tête ce que disait un poète québécois qui s'appelait Gaston Miron, que j'ai bien connu, et qui, lorsque je l'avais invité dans une des classes de littérature que j'animais, disait aux étudiants, attention, vous allez vivre le même phénomène que nous vivons au Québec, c'est-à-dire l'appauvrissement lexical, pour nommer le réel. Il le disait il y a plus de 30 ans. Et donc, comment ce livre, dont le titre est à la fois magnifique et aussi très troublant, puisque ça touche exactement notre langue, la langue dans laquelle nous exprimons, et peut-il être une métaphore à la fois de la réalité algérienne que vous avez connue et en même temps notre propre réalité d'aujourd'hui suite justement à l'érosion de la langue qui travaille quand même à travers les signes, hein, les signes, les petits émoticônes qui dont sont devenus un langage, un paralangage, je dirais. Comment tout ça se transforme notre rapport au monde. En tout cas, pour l'Algérie, a fait évoquer brièvement cette... La disparition de la langue française, en fait, c'est le deuxième volet d'une trilogie qui commence avec le blanc de l'Algérie. Le blanc de l'Algérie qui décrit la guerre civile, hein, les années 90. Et là, je suis d'accord avec le propos d'Antoine. Le dernier chapitre de mon livre s'appelle « L'implacable utopie », dans le sens où, quand Assia Djebbar écrit ce livre, et elle évoque la disparition de la langue française, on est en pleine guerre civile, où la société est en train de se déstructurer complètement. Heureusement, elle était, comme nous tous, pessimiste, les choses ont évolué différemment. Mais de quoi parle-t-elle ? À partir du moment où, en Afrique du Nord, la colonisation française n'a pas été simplement une conquête militaire, elle a été une opération de destruction totale, d'aliénation totale de l'identité maghrébine. C'est ce qui explique beaucoup de choses aujourd'hui. Pour aller très très vite, on a parlé de la mission civilisatrice de la France. C'était la justification idéologique de la conquête. Il faut savoir que au moment où il y a la généralisation de l'école en France, Jules Ferry va fermer toutes les écoles coraniques en arabe et toutes les médersas en Algérie. Cela ne va pas donner une alphabétisation de la population, puisque à l'indépendance, vous avez entre 80 et 90% d'analphabètes en Algérie, dont mes parents, des deux côtés, autant les femmes que les hommes, avec leurs 6 et 7 frères, des deux côtés. Et les mosquées vont être transformées en écuries, pour certaines d'entre elles. Il y a un processus de négation totale de cette identité, locales, arabo-musulmanes, berbères, romaines, parce que nous avons quand même eu 4 siècles de présence romaine, espagnole, turque, etc. Et donc, que va faire le FLN à l'indépendance ? Eh bien, il va dire que, par exemple, Ibn Badis, qui était un théologien moderniste, disait... Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. 3 fois. Ce que le FLN va faire, c'est une éradication de l'héritage de la langue française. Et donc va commencer un processus d'arabisation forcé et forcené, fait de façon totalement désastreuse, qui va aboutir en vérité à une autre forme d'analphabétisme de la population, dans le sens où aujourd'hui nous aboutissons à une situation où
toute une génération est, entre guillemets, analphabète dans les deux langues, autant en arabe qu'en français, puisque la langue parlée en arabe n'est pas la langue de l'arabe classique. Mais bon, contrairement aux détracteurs de ce phénomène-là, l'arabe qui est enseigné en Algérie, au Maghreb, c'est pas la langue du Coran, c'est pas une langue morte, c'est une langue moderne qui est enseignée aux États-Unis, Modern Standard Arabic. Donc ça, ce sont des discours un petit peu trop réducteurs et généralement par des berbéristes opposés de manière structurelle à la langue arabe, qui préférait donc favoriser la langue française plutôt que la langue arabe. Il n'est pas vrai qu'en Algérie, les gens ne parlent pas la langue arabe. Tous les enfants sont scolarisés en arabe. Il y a une littérature en arabe, il y a un théâtre en arabe, il y a une poésie en arabe, il y a des maisons d'édition en arabe. Donc il ne faut pas simplifier les choses, il ne faut pas faire ce qui avait été fait de manière, comment dirais-je, antagoniste du temps de la colonisation. Cependant, ce processus d'arabisation a effectivement fait reculer la présence, l'importance de la langue française en Algérie. C'est à ce moment-là qu'Assia Djebba parle de cette disparition de la langue française, mais doublement. Doublement dans le sens où, elle me l'avait dit personnellement une fois, que son drame, c'était qu'elle n'avait plus de lecteurs dans son pays. Oui, c'est important. Et là, on veut y revenir, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Carole avait dit tout à l'heure. C'est pas seulement les jeunes, ce sont aussi les gens de la périphérie. Voilà. Pas seulement, pas nécessairement des jeunes. Par exemple, ces écrivains maghrébins célèbres, Boualem Sansal, qui est partout, Kamel Daoud, qui est partout, ils ne sont pas lus chez eux, même si le premier roman de Kamel Daoud a été publié en Algérie, dans une maison d'édition algérienne. Et là, il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est la logique commerciale du monde de l'édition, le processus de consécration. Même s'il y a tout un discours idéologique, la consécration continue à venir du centre. Le centre, c'est Paris. Et tout le système éditorial, critique, médiatique, etc. Cependant, ces écrivains, quand un livre qui coûte 20 euros, un roman, globalement, d'Assia Djebba ou de n'importe quel écrivain, il ne peut pas être acheté par quelqu'un au Maroc, en Tunisie, à Dakar, à Yaoundé ou au Maghreb, le SMIC il correspond à peu près à 200 euros. Et le prix d'une boîte de lait, c'est 2 euros. Donc les gens ne peuvent plus physiquement, économiquement, acheter de livres. On a eu la subvention du livre du temps du régime socialiste en Algérie. Elle n'existe plus. Le livre qui se vendait ici, 20 euros, c'était 200 francs à l'époque, il se vendait à 20 francs en Algérie. Ça, tout ce support a totalement disparu. Ce qui fait qu'il y a eu d'un côté ce processus d'arabisation forcenée dont j'ai parlé, mais de l'autre côté, il y a cette logique économique qui fait aussi que ces écrivains-là n'ont pas de lecteurs chez eux. Et dans ce sens-là, elle parle de cette double disparition. Cependant, heureusement, l'évolution des choses a donné tort à Assia Djebba, pas dans l'absolu, puisqu'elle avait raison au moment où elle écrivait, puisqu'il se passe un phénomène paradoxal et très intéressant avec l'avènement du président Bouteflika, que tout le monde critique pour les raisons sur lesquelles nous sommes d'accord, mais qui a cassé un tabou quand il arrive au pouvoir en 1999. Il casse le tabou du régime précédent qui était pratiquement, littéralement, l'interdiction pour tout officiel d'utiliser la langue française dans un domaine public. Alors que dans les ministères, on fonctionne encore largement en français. N'est-ce pas? Il va commencer à parler en français. Et il va y avoir donc ce tabou qui va être cassé. Parallèlement à cela, il y a une floraison d'écoles privées qui vont être
comment dirais-je, fonctionner, qui vont des maisons d'édition nationales, locales, qui continuent à fonctionner en français. Et puis il se passe une chose sur le plan économique, c'est que on comprend en réalité que l'escalade, ou disons l'ascension dans la chaîne sociale et économique, passe aussi par la langue française, et la langue française aussi est une ouverture sur le monde. Il y a un débat aujourd'hui dans lequel les islamistes avancent l'idée saugrenue qu'il faut remplacer, c'est un angliciste qui vous le dit, donc je suis mal placé pour ne pas défendre la langue anglaise, mais c'est totalement saugrenu quand il parle de remplacer le français par l'anglais. En réalité, c'est une manière, une autre manière de marginaliser toute la frange démocratique qui est en réalité francophone pour la plupart, pas seulement, mais pour la plupart. Ça permet de comprendre cette étude de ces auteurs et de cette littérature dans ce contexte plus global. Merci. Vous avez évoqué la dimension économique. Je me tourne vers vous, Antoine Spire. Je sais que vous êtes très engagé à l'égard de, justement de la question de l'économie du livre. Notamment sur ce qui pèse sur l'édition, avec la valorisation justement de ce monde d'édition où l'éditiste s'apprête à acheter, achète. Je ne sais pas si c'était le débat qui transforme justement un duopole en monopole. Comment voyez-vous la situation? Pourquoi est-ce dangereux pour vous? Est-ce que ce n'est pas une chance pour peut-être la France d'avoir un mastodonte, un champion, entre guillemets, face au mastodonte qu'est Amazon, par exemple, au niveau mondial, puisque c'est aussi votre réaction? Le problème, c'est le maintien, évidemment, de l'originalité éditoriale, le maintien de la diversité éditoriale. Et si on examine aujourd'hui ce qu'est Bolloré, avec sa fortune estimée à 8,6 milliards de dollars, il est propriétaire de Canal+, de CNews, de C8, d'Europe 1, de Paris Match, de JDD, et il est en passe de dominer toute édition. Il faut bien comprendre que Bernard Arnault, par exemple, qui est bien plus riche, puisqu'il a 186 milliards de dollars, dit-il, ne détient lui que Les Échos, Challenge, Le Parisien et sa déclinaison aujourd'hui en France, c'est Radio Classique. Bernard Arnault couvre trois domaines, l'économie, le lectorat populaire et puis les élites intellectuelles. François Pinault, fortune de 50 milliards de dollars, lui est propriétaire du Point et Le Figaro est la propriété de Dassault, tributaire des achats et des ventes d'avions militaires effectués par le gouvernement. Enfin, j'ajouterai Francis Bouygues, numéro 1 mondial du BTP, nourri lui aussi de commandes publiques et qui est propriétaire de TF1, de LCI et qui s'apprête à absorber RTL après avoir fusionné avec M6. Alors quand il a été auditionné le 20 janvier par la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias dont vous venez de parler, Bolloré a déclaré « Notre intérêt n'est pas politique, il est économique ». Alors est-ce qu'on peut le croire ? Je pense que cette affirmation, reprise d'ailleurs par Bernard Arnault devant la même commission, pose problème parce que quelques jours plus tard, il a dit « c'est une garantie de la liberté de la presse ». Mais en fait, ces milliardaires vendent des produits que chacun est libre de se procurer ou pas, et leur bonne santé économique constituerait la meilleure preuve que ces produits comblent l'attente des citoyens en matière d'information. Je crois que l'intérêt économique des propriétaires de médias, loin d'assurer l'accès à une information libre et de qualité, c'est un puissant facteur d'uniformisation, de dévalorisation de celle-ci. La course à l'audience, et donc aux recettes publicitaires, vise à capturer le maximum de temps de cerveau disponible, comme l'avait dit l'un des initiateurs de Bouygues, c'est-à-dire, au fond, l'attention, évidemment, des uns et des autres. Et je crois qu'il s'agit moins
d'informer et d'aider chacun à se forger une opinion que d'établir une hiérarchie des informations, moins en fonction de leur importance réelle que du buzz que leur incessante réputation et répétition va susciter. Je crois que ce présentisme exacerbé aboutit à un saucissonnage des informations, à leur mise finalement en scène, et en fait tout un chacun voit que c'est sur le même plan que les choses sont mises, et ça évite la hiérarchisation de leur importance en fonction de l'analyse du contexte. Alors toute lecture sérieuse de la société, qui est la condition première d'une démarche politique réfléchie et efficace, est ainsi rendue problématique. Rien n'est plus significatif que le sort qui est fait dans les débats à l'écologie. Par exemple, ils l'inscrivent parfois à leur ordre du jour, mais leur mode de fonctionnement interdit qu'elle soit abordée comme une question transversale, par exemple, une question qu'on devrait retrouver lorsqu'on évoque d'autres problèmes, puisque l'écologie est devenue une question très importante par rapport à notre avenir. Je dirais que les principaux médias forment un écosystème largement clos sur lui-même. Et la question que vous posez conduit à se poser la question, finalement, d'une initiative qui serait indépendante de cette domination économique. On débat de presque tout, mais selon une grille de lecture qui nourrit chez le téléspectateur le sentiment de son impuissance à agir sur le cours des choses. Et je crois que cet écosystème, et c'est là d'ailleurs sa réussite, présente tous les aspects d'un fonctionnement objectif. Ceux qui en détiennent les clés s'effacent derrière les directions de rédaction qui changent facilement sans que le public ne s'interroge, c'est-à-dire là où les choses sérieuses se passent. C'est parce qu'il n'était pas satisfait de la manière dont les choses se passaient à Europe 1 que Bolloré a propulsé, par exemple, Louis de Ragnel de la direction de Valeurs Actuelles à Europe 1. Et cette mutation n'a rien à voir avec ses éventuelles qualités journalistiques, mais elle s'explique par la confiance politique que Bolloré met en lui. Et ces méthodes de Bolloré ne doivent pas nous amener à conclure que les autres grands médias seraient, eux, parfaitement indépendants. Je crois qu'il ne faut pas être naïf et bien comprendre que les directions de leur rédaction et leurs journalistes vedettes sont choisis par l'actionnaire selon un ensemble de critères dont le premier, c'est la confiance politique que lui inspirent ceux qui postulent à ces postes. À ces hommes et à ces femmes, ensuite, de donner le change en déployant leur travail journalistique de telle manière qu'ils fassent oublier l'homme ou la femme politique à l'œuvre derrière le ou la journaliste. Je prends par exemple le cas de Dominique Seux, que beaucoup d'entre vous écoutent peut-être le matin sur France Inter, chroniqueur économique de France Inter, omniprésent sur LCI, Bernard Arnault l'a nommé de la rédaction des Échos. Il sait qu'on peut compter sur lui pour combattre toute mise en cause du modèle économique néolibéral. Dominique Seux, par exemple, qui semble au demeurant un homme très sympathique, ne manquerait pas de répliquer à tel propos qu'il est journaliste libre, qu'il jouit dans son travail d'une totale indépendance d'esprit. Or, ironie de l'histoire, son patron, M. Bernard Arnault, vient indirectement mais très clairement de l'inciter à adopter un point de vue plus réaliste sur sa situation. Parce que devant la commission sénatoriale, après avoir déclaré qu'en France, la liberté de la presse est assurée, il a mis en garde contre une indépendance absolue et totale des rédactions. Attention, l'indépendance des rédactions, c'est dangereux. Et il a dit, précisant sa pensée, je le cite exactement, hein, « Je n'ai pas envie de financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et s'il y a une indépendance absolue et totale, on ne sait jamais, il faut bien que l'actionnaire puisse réagir à un moment ou à un autre. Et si les Échos devaient défendre demain l'économie marxiste, ce que Dieu ne plaise, je serais quand même extrêmement gêné, dit-il. Il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. » Je cite exactement, hein, il a dit ça devant le Sénat. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que les sénateurs n'ont pas répliqué. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, ils sont partis là en rigolant, les patrons de presse, mais il n'y a pas eu de réplique organisée du Sénat.
Il y a eu quelques réflexions de tel ou tel sénateur, comme ça, par une phrase, mais il n'y a pas eu de réplique organisée. On aimerait savoir où commence pour Bernard Arnault l'extrémisme de gauche et l'entrée dans l'économie marxiste. Je rappelle qu'en ces temps de droitisation galopante, Joe Biden est qualifié par la droite américaine de socialiste, et ce pour avoir proposé de simples mesures sociales. Pour l'actionnaire, comme dit M. Arnault, il est bien possible que l'économie marxiste pointe le bout de son nez avec l'impôt sur la fortune, ce qui exige évidemment l'intervention de garde-fous. Voilà, donc si vous voulez, on est dans une situation, enfin il me semble-t-il, qui sur le plan économique est extrêmement préoccupante, mais ça a des conséquences sur le contenu, tout un chacun s'en rend compte, le contenu de l'information et sur le contenu de l'édition. Et dans le domaine de l'édition, la fusion que risque d'organiser Bolloré aura pour conséquence que l'initiative de simples maisons d'édition qui ne seront pas dans l'empire Bolloré ne pourront pas toucher le grand public. Alors évidemment, il y aura toujours des petits éditeurs qui se satisferont de toucher une cinquantaine ou une centaine de personnes, que dis-je, quelquefois des centaines de personnes, mais qu'est-ce que c'est en fonction, en rapport avec les 300 000 exemplaires que M. Houellebecq va toucher pour le bénéfice le plus grand de ces gens qui financent la maison d'édition dans laquelle il sera publié. Oui, merci d'avoir planté aussi le décor économique. Alors, je me tourne vers vous, Clarisse. Comment réagissez-vous justement au propos que vous allez entendre de monsieur de Dantospire, mais aussi de nos autres intervenantes et intervenants, par rapport à justement cette longue histoire du cygne et vos propres expériences aussi comme citoyenne? Alors, je suis d'accord à peu près avec rien avec Antoine Spire, qui fait qu'on ne peut pas commencer. Bon. Je vais juste dire un mot à ce sujet, que l'Empire Bolloré ou quelconque influence les journalistes et les directeurs sont sans aucun doute, mais moi qui suis une grande auditrice de France Culture, France Inter, France Info, eh bien, je vais vous dire, les radios d'État, c'est pareil dans un autre sens. Le vrai problème, il est là. C'est que nous avons un usage des signes sociaux qui n'implique pas que l'on se mette à confronter les idées et qu'il y ait un débat que nous n'aurons pas, rassurez-vous. Donc, je pense que là, cette présentation fait problème. Je dois dire que le politiquement correct, c'est pas ma tasse de thé. Bien. Mais je ne vais défendre aucun grand propriétaire de presse. Je suis une intellectuelle et je défends le débat intellectuel. Ceci n'est fait ni à droite ni à gauche. Bien. Alors, j'ai adoré ce que a dit la madame qui a des cheveux roux. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. C'est Linda Maria Barros. Ça me plaît. Et ce qu'a dit Carole aussi. J'ai trouvé que là, il y avait matière à avancer. Je ne suis pas compétente pour la littérature postcoloniale. Je demanderai juste à monsieur... si c'est à cause de la colonisation française que vous vous êtes autorisé à m'interrompre pendant que je parlais. Donc, ça fait problème, ces choses-là. C'est la conduite des êtres, c'est le rapport que nous impliquons les uns avec les autres qui fait sens, et c'est pour cela qu'il convient d'admettre que le débat peut avoir lieu en respectant un protocole. Quelqu'un qui parle, pendant qu'il parle en public, on ne l'interrompt pas. Quelqu'un qui a des opinions, et il les exprime de façon à laisser l'expression des autres sans la diaboliser. Bon, bien. Bon, vous voulez réagir, j'imagine. Alors, autant ma voisine a été experte dans la pensée des formes symboliques et de l'histoire des formes symboliques dans lesquelles nous nous exprimons, autant je crois que pour analyser la réalité de ce qui se passe dans le journalisme français aujourd'hui, elle manque d'informations. Je voudrais seulement rappeler que le Dominique Seux dont j'ai parlé, il a une chronique tous les jours sur France Inter, tous les jours sur France Inter, et que donc il est en dialogue avec, sur le service public, il est en dialogue avec des gens différents de lui. Donc, le service public organise un dialogue réel entre des formes politiques qui sont extrêmement contradictoires. Je pense que
les journaux tels qu'ils sont aujourd'hui organisés ne sont plus dans cette réalité. Et il ne s'agit pas de dire on fait pareil à droite et à gauche. Vous savez, c'est les gens qui, en général, qui disent qu'on fait pareil à droite et à gauche, ça veut dire qu'ils sont de droite. Mais c'est pas grave, on a le droit de l'être, mais il faut l'avouer. Et en conséquence, allez vous faire foutre, nom d'une pipe. Je suis une intellectuelle. Vous m'interrompez. Mais ça va. M'interrompez. Ah, bah, quand même. M'interrompez. Nom d'une pipe. Je suis expliqué. Ni de droite ni de gauche, c'est exact. Vous avez parlé de l'interruption. Ah, mais là, je m'en sers parce qu'il y a agression. Il n'y a pas d'agression. Non, il n'y a pas aucune agression. Mais moi, je constate, si vous voulez, que dire qu'on est ni de droite ni de gauche, et que finalement la droite et la gauche, c'est la même chose. Non. C'est un manque d'analyse sérieuse d'un contexte dont moi je parle, qui est le contexte contradictoire qui existe dans le service public et qui n'existe pas dans l'information telle qu'elle est organisée dans le privé. Il y a plus de niveaux. C'est là. Ben c'est intéressant parce que c'est au cœur du débat que nous avons. Parce qu'en fait, vous voulez réagir, je suppose. Bon, alors. Mais sur un autre sujet. Non, mais moi, je non, ouais, ne t'inquiète pas, moi, sur un autre sujet. Alors, mais avant, j'aimerais. Oui, allez-y, ouais, et après ça, je vais demander à. Je vais réagir très rapidement à ce qu'a dit madame, à ma droite. Je ne ferai pas de commentaires, parce que je croyais que nous étions dans une table ronde où il y a des échanges. Votre comportement actuel a démontré que ça ne se passait pas comme ça pour vous. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur votre commentaire. Très bien. Tu veux parler, Linda? Oui, je vais juste dire, mais pour revenir à notre débat littéraire. Oui, oui. Parce que bon, moi, je ne suis pas avisée dans d'autres domaines, donc je parlerai uniquement de littérature. J'ai évoqué tout à l'heure l'aventure éditoriale de la traductière, et je disais qu'il y avait un troisième volet, celui, on va dire, de la publication de livres... classiques, hein, donc qui ne sont plus distribués gratuitement, des livres qui se vendent. Donc là, on entre dans une logique économique, donc on va dire à la notion de captatio benevolentiae, qui est au cœur de notre débat aujourd'hui, s'ajoute aussi cette notion économique. Et je voulais aussi dire par rapport à l'un des syntagmes utilisés par Antoine, celui qui portait sur le fait que, bien entendu, il y aura toujours des éditeurs indépendants, mais ces éditeurs ne toucheront qu'un public, malheureusement, n'est-ce pas, restreint. Oui, tout à fait. Tout de suite, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, dans le monde poétique, on se lamente beaucoup sur notre sort. Beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Le poète est par excellence maudit, n'est-ce pas? Voilà, il y a toute une tradition romantique, pas seulement, elle se renouvelle, elle se remotive, c'est ça qui est très intéressant, alors que d'autres choses qui devraient le faire ne le font pas. Et cela m'a toujours inquiétée. Pourquoi? Parce que justement, n'étant pas si jeune que ça, mais faisant quand même partie de cette génération qui a eu accès depuis un âge plutôt tendre à Internet, j'ai pu voir que cela n'était pas vrai. Pourquoi? Parce que justement, si on conjugue livre et environnement numérique, on a, et là je reprends l'expression que vous avez utilisée, on a cet accès au savoir. Dans mon cas précis, parce que c'est le sujet que j'aborde, il s'agit d'un savoir poétique, bien entendu. Mais si on met tout cela ensemble, si on ajoute à cela également ce qu'on appelle aussi la mobilité d'une manière très peu inspirée, donc la circulation des idées à travers des manifestations, des performances, des colloques comme aujourd'hui et ainsi de suite, nous pourrions peut-être essayer de faire la différence, de faire vraiment avancer les choses, notamment pour un genre comme la poésie ou bien comme le théâtre, qui ne sont jamais sur le devant de la scène économique de toutes les manières. Merci. Et pour ajouter juste, si vous le permettez, oui, les médias sont une fabrique d'archétypes
pour tenir les gens dans des façons de penser qui ne remettent pas en jeu cette société qui ne va pas du tout et toutes sortes de pouvoirs. Et non, le français n'est pas mort, la langue française évolue. Elle est un ferment d'invention, de vie pour demain. Alors il faut qu'on intègre tout ça et qu'on avance et qu'on continue à parler et qu'on investisse Internet et tous les médias pour toucher les jeunes et ceux qui sont effectivement défavorisés pour aller vers tout le monde et que la poésie vive. Parce que la poésie, c'est le langage en liberté, voilà. Merci, alors j'appelle, bon... Oui, parce que notre discutant n'a non, pas eu la alors, chance de discuter. Bon, c'est bien qu'il y ait un débat. J'appelle Fernando Barros de la librairie Chan à faire la synthèse. Oui. La synthèse. La synthèse. La synthèse. Oui, la synthèse. Enfin, à d'être le discutant à évoquer. Je pense que la synthèse est impossible. Voilà. Non, venez sur la chaîne. 10 minutes, c'est bien. Oui, vous pouvez faire rentrer, bien sûr, qui participe à la discussion. Parce qu'en fait... Mais je vous laisse faire. Bon, Fernando Barros, donc... vous avez bien dit, c'est difficile de faire une synthèse, parce qu'effectivement, il y a deux niveaux. Il y a la dimension sociale-économique, il y a aussi la dimension symbolique que vous avez évoquée, Antoine, et que Clarisse également. Et donc, à vous. Oui, en fait, le mot synthèse signifie pouvoir résumer ce que vous venez de dire en trois mots, et c'est impossible, en fait. Moi je parle de mon expérience. J'ai énormément apprécié chaque intervention. Ah, non, pas. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Je parle rarement dans un micro. J'ai tendance plutôt à faire porter la voix, mais les gens du fond ne m'entendent pas. Voilà, je disais donc que j'ai apprécié toutes les interventions. J'ai des choses à dire à chacun en particulier, mais je pense que je n'aurai pas le temps. En particulier, par exemple, à monsieur, je disais que Rachid Mimouni, qui est un très grand auteur, en France, on ne trouve aucun de ses livres actuellement. Et on peut les trouver de façon numérique, ce qui prouve qu'Internet peut permettre d'accéder à des livres, même si on n'a plus le support papier. Moi, en tant que libraire, je défendrai toujours le support livre. Tout simplement parce que c'est le support le plus démocratique qu'on puisse trouver. Et si on ne peut pas acheter un livre, on peut l'emprunter, on peut aller chercher en bibliothèque. Voilà, donc pour répondre aux personnes qui vous disent qu'un livre est trop cher, effectivement les livres sont peut-être chers, mais on achète aujourd'hui des choses qui sont beaucoup plus chères et on ne se pose pas la question de savoir si on doit les acheter ou pas et si on doit renouveler, par exemple, un smartphone. Un livre peut coûter 1 euro, 2 euros dans une bibliothèque. Ça peut être gratuit et on peut l'emprunter. Donc le livre peut circuler. Pour revenir à la poésie, en France, la poésie est à très mauvaise presse. Les poètes en France se plaignent toujours qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ne sont pas aimés. Il y a énormément de parutions en poésie. Il y a énormément de sites internet qui défendent la poésie. Il y a des revues, effectivement, qui disparaissent parce que le support papier coûte cher et que les gens achètent de moins en moins les revues. Mais la poésie devrait être davantage valorisée en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Moi, je suis portugais. Au Portugal, les poètes passent à la télévision, font les premières pages des journaux, et les gens les considèrent vraiment comme des écrivains à part entière. En France, le roman a pris le dessus sur tout le reste et a un peu écrasé les autres domaines d'expression littéraire. Monsieur Spire avait parlé un moment de l'importance de la fiction. Et effectivement... les gens, quand ils lisent des romans ou quand ils plongent dans la poésie, ils s'imprègnent d'autres pensées, d'autres modes de voir les choses. Et je crois que c'est une chose très importante pour les émotions humaines. Le mot reste pour nous, libraires, et pour moi en particulier, mais pour nous aussi dans notre librairie, la chose la plus importante. Que le rapport au mot soit un rapport très affectif et très intériorisé. De plus en plus, les mots sont extérieurs, comme si le langage ne pouvait pas nous appartenir. Et comme si les mots appartenaient soit aux puissants, soit aux gens nantis, soit aux gens qui ont une puissance financière. Non, le langage appartient à tout le monde, donc il faut s'approprier le langage. Et la fiction reste effectivement aussi un moyen de contrôler, parce que raconter des histoires, c'est aussi mener les gens avec des émotions et de la pensée où on veut les amener. Et tout ça revient effectivement à l'idée d'économie de l'attention.
ce qu'on fait, comment on veut capter l'attention des gens et comment soit on veut les libérer, soit on veut les cadrer. Et pour en revenir tout à l'heure à la petite discussion, petite pointe entre Mme Erin Schmidt et Antoine Speer, c'est qu'à la librairie, j'ai un de mes collègues qui ne regarde jamais la télévision, qui écoute très peu la radio. Moi, je regarde la télévision et j'écoute la radio. Et je lui dis, il me dit, mais t'as pas besoin, il ne raconte que des conneries. Je dis, non, il ne raconte pas que des bêtises. Et il faut s'imprégner de ce qu'on nous sert tous les jours. C'est une soupe que les gens mangent sans se poser la question. Effectivement, tout cela exige, ce monde dans lequel on évolue, exige une forme de conscience. Madame Erin Schmidt a parlé dans sa présentation de l'idée de l'œil, que l'œil était resté vivant et que l'œil devait aller chercher les choses. Effectivement, devant un écran, l'œil n'a plus besoin d'aller chercher. L'œil reçoit. Il reçoit des informations et il se laisse... Je ne sais pas si je dis des bêtises, Madame Erin Schmidt, mais ce qu'il faut, c'est à nouveau investir dans l'œil, investir dans le regard et investir dans la conscience qu'on a des choses autour de nous. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Depuis 3 ans avec ce Covid, ou 2 ans avec ce Covid, effectivement, on est de plus en plus distant de nos émotions, distant de ce monde dans lequel on se trouve. Et c'est ce travail que les gens doivent faire. Tous les matins, quand je prends l'RER, je regarde les gens autour de moi et je suis souvent abasourdi parce que j'ai 40 personnes dans un compartiment de RER. Et les gens sont tous devant des écrans. Alors j'aimerais bien aller voir ce que chacun regarde dans son écran, ce qu'il regarde. Il y a des gens qui, effectivement, qui lisent le journal, il y a des gens qui répondent à leurs mails, parce qu'ils se disent, bon, comme ça m'évitera dans la journée d'ouvrir à nouveau mon portable. Mais il y a des gens qui font monter et descendre des petites boules. Il y a des gens qui regardent des séries télévisées. Alors, je me dis, waouh, avant, les personnes, quand elles rentraient dans l'RER, c'est vrai qu'il y a le masque qui complique nos rapports humains. Mais quand les gens rentraient dans l'RER le matin ou dans le métro, ils discutaient les uns avec les autres, ils lisaient le journal. Là, il n'y a plus personne qui lit un journal. Les objets qui fondent notre monde, notre rapport au monde, notre rapport à la culture, notre rapport au savoir, et à l'apprentissage et à la transmission, disparaissent de cette société. Et tout se retrouve à l'intérieur d'un simple petit appareil. Je rêve parfois que cet appareil tombe en panne, qu'il y ait un grand bug. Et que les gens soient obligés de se débrouiller autrement. Moi, je suis commerçant. Les gens, par exemple, depuis 2 ans, je dis les gens, c'est pas très joli, mais disons les acheteurs qui vont dans la librairie ou les clients de la librairie ne règlent plus qu'en carte bleue parce qu'on leur a dit qu'il fallait utiliser le sans contact et que seul le sans contact permettrait de rester vivant et apporterait quelque chose de salvateur. Voilà. Les gens ne règlent plus qu'en carte bancaire, ne se posent pas la question de savoir s'ils peuvent régler autrement ou... tout ça pour vous parler que dans ce monde dans lequel on évolue du coup, cette espèce de contact se met de plus en plus à distance et qu'il est vrai qu'il faut réagir contre cette espèce d'écrasement qu'on subit et que je peux comprendre Mme Erin Schmidt quand elle dit qu'effectivement on n'est pas obligé d'entendre tout cela, quoi. C'est-à-dire quand on veut se consacrer à quelque chose, mon collègue ne regarde pas la télévision et n'écoute pas la radio. Bon, c'est faux, il écoute la radio. Mais la télévision, effectivement, il n'en a pas chez lui. Mais par contre, il regarde les ordinateurs. Pendant tout le confinement, il regardait tous les jours la hausse des cas de Covid, des morts et tout. Et moi, je lui disais, moi, je ne regarde pas ça. Je me suis fait vacciner, c'est bon, c'est fini. Quoi. Maintenant, si je dois mourir de m'être fait vacciner, je mourrai de m'être fait vacciner. Mais je voudrais passer à autre chose, essayer de vivre autre chose. J'en ai ras-le-bol qu'on me dise que voilà, vous savez très bien ce qu'il en est exactement. Je vais peut-être m'arrêter. Non, c'est non. Très bien. Vous avez dit, j'ai déjà un peu dérivé, excusez-moi. Oui, non. Bien, alors, la gardienne du temps qui est devant moi me dit qu'on a bientôt terminé. Oui, dépassé. Non, on avait anticipé. Alors, pour ceux, la table précédente, plus prochaine. Oui, on avait prévu de commencer plus tard. Bon, écoutez, merci. Merci à tous de ce débat riche et emporté qui montre bien la complexité et les niveaux qui s'affrontent et se confrontent parfois. Parce que c'est d'autres. C'est ce qu'invoque justement cette nouvelle économie de l'attention qu'il faut
combattre à notre manière par justement le développement, l'enrichissement de nouvel imaginaire. Les individus, la singularité des individus. Et la singularité, bien sûr, qui est liée concomitante. Merci à vous tous. Bravo. Et j'appelle donc. C'est la prochaine table, c'est ça? Oui. Merci. Merci. Merci.
et que je salue avec les membres, ces intervenants. Je vais donner la parole à Thibaut Villette, qui est président de l'Observatoire de la diversité culturelle, qui est cher à mon cœur, et qui est partenaire de cette table ronde. Thibaut. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas vous redire la matinée. Je me mets devant. Voilà. Excusez-moi, c'est pas très... bonjour tout le monde. Donc oui, je suis le président de l'Observatoire. On est effectivement partenaire de la table ronde. Ben voilà, en fait, c'est un échange avec Fulvio autour des Balkans. C'est vrai que les Balkans, pour nous, c'était une zone qu'on trouve qui est peu traitée, qui est peu évoquée en France. Et pourtant, c'est un peu un paradoxe. Pourtant, qui est, à mon sens, assez central dans l'histoire européenne, souvent... on le sait, à cause de tourments, de traumas, même de guerres récentes. Et en même temps, voilà, on y revient assez peu, finalement, dans les médias, dans la culture. Et je trouvais que c'était aussi l'initiative, vous savez, du Centre culturel, d'avoir cette saison culture d'hiver, qui s'appelle Fascinant Balkan. La direction d'action culturelle. Voilà, mais c'est aussi le Centre culturel. Donc voilà, et c'est un paradoxe, mais peut-être pas. Peut-être que finalement, d'être attentif aux Balkans et à ces zones de trauma, de traumatisme dans l'histoire européenne, c'est peut-être volonté, je dirais, inconsciente de ne pas s'attarder sur cette zone et d'aller voilà, sur d'autres territoires, d'autres pays qui sont peut-être, voilà, qui nous rappellent moins ce trauma. En tout cas, voilà, pour nous aussi au niveau de l'Europe, je trouve que l'idée de parler des Balkans, c'est voilà, c'est un territoire qui, à mon sens, doit être inclusif. On est dans une Europe où il y a pour nous plutôt des complémentarités de territoires, de cultures, et les Balkans ont complètement leur place, même si on sait que cette zone ne fait pas partie voilà, entièrement de l'Union européenne, qu'il y a toujours des discussions. Qui a parfois aussi même un peu de rejet, hein, surtout en ce moment, on se dit, ouais, non, on va pas aller au-delà en termes de pays. Voilà, donc pour moi, c'était important aussi de considérer que les Balkans, ben, c'est l'Europe, c'est notre histoire, et c'est un sujet à traiter. Après, la littérature, ben, voilà, littérature contemporaine, ça permet de traiter le présent, ça permet de traiter aussi des thématiques des auteurs qui sont ici derrière moi, voilà, que vous allez entendre juste après. Et au travers de ces thématiques, ben, c'est... des fois des histoires nationales, des fois des histoires passées, et puis voilà des thématiques du moment qui permettent de se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on comprend et qu'est-ce qu'on entend des Balkans et de ces écrivains qui sont des témoins en tout cas du temps présent. Voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire et je vais tout de suite passer la parole à monsieur Hamon pour la suite. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est pas si c'est celui-là qui m'a fait. Merci beaucoup pour ces paroles très chaleureuses. Et vraiment, je veux dire aussi en introduction que je suis très impressionné par la qualité et la richesse du programme qui a été monté dans cette ville des Mila. Plus d'un mois de manifestations consacrées aux Balkans, c'est vraiment quelque chose de rare, trop rare, on dira. Alors chacun essaye d'y mettre sa pierre. Nous, on essaiera de mettre notre pierre au salon des Balkans. La semaine prochaine, donc vendredi et samedi, mais ça durera 2 jours, et je crois que ça nous suffira, parce qu'on sera assez fatigué au bout des 2 jours. Mais pour en venir à le débat d'aujourd'hui, je crois qu'on va s'intéresser à un sujet qui est d'une richesse étonnante, mais qui, je crois, est très pacifique. J'emploie ce terme tout à fait de manière choisie. On voit les Balkans comme étant toujours une zone de conflit, de division, de balkanisation, etc. Il y a tout un vocabulaire qui va avec. Ce qu'on voit moins, c'est la richesse des relations, de la créativité dans les Balkans. Et c'est effectivement en ayant choisi cette optique, donc aujourd'hui, de littérature Balkans, des littératures en ébullition. Alors, le mot ébullition m'a semblé extrêmement intéressant. Il m'a questionné. Alors, j'ai eu une tentation
de regarder un petit peu en arrière, parce que ce mot ébullition, bon, ça évoque un phénomène aussi de cuisine, et on se dit, après, quand on arrive à la température d'ébullition, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai aussi... Évaporation. Oui, mais c'était... Alors, tout à fait, j'ai un exemple. Mais évaporation, bon, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être autre chose que l'évaporation. Donc, garder cette créativité, garder cette énergie, c'est quelque chose qui est un véritable défi. Alors, je me suis tourné vers un petit peu en arrière, et j'ai regardé... J'ai repensé à une revue que j'ai chez moi, que beaucoup, certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Siècle 21. Et c'était en 2011, ils avaient consacré un dossier aux Balkans. Voilà, j'ai cette revue. Et j'ai eu la tentation de regarder ce qui se passait, ce qu'on disait il y a 10 ans, précisément. Et il y a 10 ans, le titre du dossier qui a été rassemblé par quelqu'un que nombre d'entre nous connaissent, c'était Timur Mouhidine, donc qui est enseignant à l'INALCO et qui est éditeur aussi chez Actes Sud, c'était de parler de littérature de renaissance des Balkans. Et je crois que effectivement c'est un point de vue. À ce moment-là, il y a 10 ans, on se posait la question de savoir ce qu'il en tenant compte des grands auteurs qui ont marqué, les grands auteurs des Balkans qui ont marqué la littérature, je pense à Ismaël Kadare qui est toujours vivant, mais aussi Ivo Andrić, mais aussi Mihailovic, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je crois que nous avons aujourd'hui ici plusieurs auteurs qui ont marqué la littérature des Balkans ces dernières décennies. Donc je crois que c'est vers cela que je souhaiterais qu'on s'oriente en soulignant une chose, c'est que quand ils vont s'exprimer sur leur part de création, on remarquera qu'ils ont une multitude de talents. Ils sont très discrets, mais ils ont une palette de talents qui est exceptionnelle. On va y revenir. Alors, sans transition, maintenant je crois que j'ai beaucoup parlé, donc je vais passer la parole par ordre alphabétique inversé, on va changer, à Nina Limanzelic, qui nous parlera poésie, puisque c'est entre autres... Ah, c'est beau. Entre autres, puisque vous êtes venu avec un livre tout à fait récent qui s'appelle « Source de lumière », qui est sorti cette année. Et je voudrais, avant de vous passer la parole, rappeler que vous êtes poétesse, dramaturge, écrivaine de fiction, traductrice, universitaire à Paris 8, ou à Paris 4. Performeuse, commissaire d'exposition, critique d'art. 7 activité de création. Bon, on commence très fort. Hein. Alors, je vais lui passer la parole pour qu'elle nous parle de son dernier ouvrage, merci, notamment. Merci, Charlie, merci beaucoup. Je vais reprendre la parole en incluant tout le monde ici qui représente le petit Balkan. Qu'est-ce que c'est Balkan? Je voudrais contourner peut-être le mot des cultures des Balkans. Il y a plusieurs cultures, c'est presque comme les États-Unis de l'Europe, Balkan, parce que c'est l'Orient, notamment l'Orient, et par exemple les Serbes, les Croates viennent de l'Ukraine. Dans le 10e siècle, ils bougent, ils descendent et ça devient les Slaves du Sud. Mais effectivement, nous venons de l'Ukraine. Et c'est notre vraie origine. Bon, toutes les choses qui sont passées en Balkans, je veux simplement dire qu'il ne faut pas
rentrer maintenant dans toutes les guerres civiles, de tous les problèmes qui sont passés, parce qu'on avait beaucoup. Je vais vous dire, par exemple, ma mère qui vient de la Bosnie, et ma grand-mère, il me disait toujours que, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Yougoslavie, on avait toujours une complicité, il avait la communication énorme entre tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine à cette époque-là. Ivo Andrić parle beaucoup de tout ça. Mais il ne faut pas vraiment diviser le peuple comme ça, et je ne vais pas rentrer dans les explications ethniques, politiques, dont je suis le sujet aussi, mais je voudrais vous dire, en tant que une des reines chiites que j'étais de dynastie Qajar iranienne, une fois j'ai parlé avec la poétesse Ethel Ednan, libanaise, qui vient de décéder, et j'ai dit, bah, écoute Ethel, aujourd'hui ils sont encore une mosquée chiite, c'était bombardée par les sunnites, et elle a dit, Nina, ne parle, stop, ne parle pas comme ça, il ne faut pas diviser les séparades, les ashkénazes, les sunnites, les chiites, c'est tout ça, c'est néfaste, c'est pas de bonne qualité, et nous ne sommes pas les agents de la CIA ou toutes les agences comme ça qui sont effectivement amenées le Balkan comme les autres parties du monde à certaines à tout ce qui s'est passé, tous les saloperies de la guerre, on peut dire comme ça. Bon, ça m'a appris, Ethel m'a appris une grande leçon. Donc, quand j'approche le sujet de Balkan, je dis, oh, il faut vraiment mettre les gants, il faut faire une autre chose. Moi, j'ai voulu parler du sujet quelle langue parlons-nous et quelle langue nous écrivons, la langue de l'exil. Par exemple, nous avons notre cher collègue Nadim ici qui vous écrivez, vous habitez ici, c'est-à-dire ici en France. Oui, oui, j'habite Paris, mais je suis resté fidèle à ma langue maternelle, j'écris en turc. Okay, je suis traduit en français et dans d'autres langues, y compris dans cette langue dont vous allez nous parler. D'accord, très très bien. Ben, vous voyez, Brankica Radić, je pense, elle aussi, tu écris en croate ou en français? En croate. En croate. Mais okay. Je traduis surtout. Oui, donc, traduit. Pour mes chers collègues qui sont ici, j'ai commencé ce projet, ça fait des années. J'ai commencé avec Julia Kristeva, la langue de l'exil, parce qu'elle est effectivement appropriée, la langue française. Mais, et donc, une partie de cet exposé aussi, j'ai exposé à l'Université de Londres, ensuite, c'est à continuer à Paris 8 avec Zouzi Cheb, poète franco-tunisien. Et donc, tout ça, ça parle de créolisation de langue. Qu'est-ce que c'est la créolisation? C'est la langue que nous parlons aujourd'hui. C'est la langue par l'écriture, qui passe par l'écriture. Tout ça, c'était finalement finalisé et publié dans mon livre qui n'est pas traduit en français. Je cherche toujours les traducteurs. Il n'y a pas, c'est trop difficile. La poésie aussi. Ça s'appelle Veštačka intelligencija i prirodna glupost. L'intelligence artificielle et la bêtise naturelle. C'est le titre de livre, ils sont les essais. Et ce essai, c'est un essai par la créolisation de langue ou la langue de l'exil. Je voudrais ajouter aussi que. Une fois, j'ai écouté Yves Bonfoy, on avait un colloque comme ça, et quelqu'un lui demandait, « Monsieur Bonfoy, qu'est-ce que c'est la poésie? Qu'est-ce que c'est le rôle de la poésie dans la société ?» Et il a dit, « Le rôle de la poésie, c'est de nettoyer ou de laver les fautes de la langue. » Mais moi, je pensais qu'on est déjà... On est allé au-delà de ce nettoyage de la langue, que tout ça qui c'était sale, grammaticalement incorrect, ça rentre dans la langue, la poésie d'aujourd'hui. Rentre avec
les mouvements des immigrants, des migrants, de tous les gens qui maintenant dans les banlieues, ici français par exemple, qui parlent la langue, ne disent pas « je ne sais pas », ils disent « je ne sais pas ». Et ça, ce « je ne sais pas », « je ne sais pas » est vraiment traversé un long chemin de l'Académie française, de rentrer dans la langue contemporaine par rap, par poésie d'islam, qui sont rentrés déjà dans l'éducation nationale. Par exemple, dans le, au lycée, première ou terminale, je pense, il y a un chapitre sur la poésie d'islam. Qui le fait tout ça? Moi, c'était à toucher mon cœur parce que en tant que secrétaire, assistante à Allen Ginsberg, un poète de Beat Generation, j'étais une des fondatrices avec Miguel Algarin et Bob Holman de New American Café à New York, qui était la maison de slam. Donc nous étions les premières de commencer le mouvement de slam, le mouvement, ce qu'on a entendu dans les rues, barrio de New York, parce que New York est aussi une ville bilingue, espagnole et, c'est-à-dire latino-américaine et anglais-américaine. Bon, donc, en bref, cette langue, nouvelle langue qui a rentré dans la poésie, il faut lui aimer, parce qu'il faut, accepter le mouvement, le changement. Imaginez si je suis rentrée ici dans une crinoline du XVIIIe siècle. Vous aurez pu penser que Nina soit, elle est très excentrique, elle n'est pas un petit peu foufou, je ne sais pas. Mais soit il y a quelque chose à dire. Ben, moi, j'écoute toujours l'Académie française. Bien sûr, on consulte tout le temps au niveau quotidien. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais il faut respecter le changement, que la mentalité change beaucoup. Donc, quand j'ai commencé de m'occuper avec la langue d'exil, j'ai pensé d'abord à Linton Kwesi Johnson, rappeur et poète jamaïcain qui habite à Brixton, à Londres, et qui a dit une fois, « When I first came to London town, I used to work in the underground. » But working in the underground was not so much fun around. Dès que je suis arrivée à Londres, j'ai commencé à travailler dans le métro. Mais le boulot dans le métro n'était pas trop amusant. Voilà une expérience de la situation existentielle que toute personne qui vit l'exil peut rencontrer. On vit ailleurs, dans un pays qui n'est pas son pays natal, et on subit la marque de l'exil qui est psychologiquement pénible. Les conditions de la survie et celles de travail semblent souvent à la fois difficiles et peu favorables à la personne qui a choisi d'habiter un pays étranger. Cette condition de vivre ailleurs ne demande pas d'être analysée en détail pour arriver à la conclusion que la vie d'un exilé peut être extrêmement difficile. Il s'agit donc d'analyser les termes de la condition de l'exil et des problématiques que cela suscite. Profond et caché, nous allons essayer d'examiner certains aspects de la vie en exil. Les aspects les plus significants de la vie en exil résident dans le fait que l'exil accepte de parler la langue étrangère presque tout le temps en se rendant à cette pratique au niveau quotidien journalier. Cette nouvelle langue, comme être parle en exil, coïncide avec une langue qu'il ou elle avait déjà parlé dans son pays natal. Ici, nous pensons surtout à tous ces gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, mais qui étaient censés parler français comme deuxième langue bien avant leur arrivée et séjour permanent en France. Mais il faut remarquer que leur nouveau contexte sociologique, leur contexte culturel en France était différent de leur contexte africain. Cela a bien changé leur vernaculaire quotidien ainsi que leur propre langue privée et intime. Cette personne de Côte d'Ivoire avait vécu plusieurs années en France. Ensuite, il a constaté qu'il ne parle pas non plus le français africain qu'il avait appris là-bas. Car il n'avait pas seulement appris le nouveau vocabulaire en France, mais ainsi il avait acquis une nouvelle habitude dans un nouveau vocabulaire qui vient avec son nouveau mode de vie.
Ce nouveau vocabulaire et sa nouvelle expression se sont habitués à sa nouvelle vie, à toutes ces situations existentielles qui vont avec. Le processus d'adaptation au nouvel pays d'un exilé ne doit pas paraître extrêmement difficile, voire traumatique pour chaque personne qui vit en exil. On peut s'imaginer que la propre nature d'un tel processus reste difficilement visible, de sorte qu'on ne peut pas reconnaître, observer et nommer toutes les difficultés qu'un tel processus d'adaptation implique. Malheureusement, si on pense au cas de l'écrivain qui change sa langue d'écriture, sa langue maternelle ou une autre dans laquelle il avait écrit, pour une nouvelle langue, on peut constater avec certitude qu'une telle expérience est souvent une chose extrêmement frustrante, voire traumatique. À ce niveau de la réflexion, on peut parler de l'expérience comme celle d'Edouard Glissant. Nous avons beaucoup de livres Edouard ici. Donc, Edouard Glissant, l'écrivain français d'origine antillaise. Il avait dit une fois qu'il s'est senti partout et toujours un étranger. Car il vivait en France, où les gens le traitaient en tant qu'étranger.